Josué chapitre 3. Nous allons considérer versets 1 à 17. Livre Josué, ça fait que, avant nous même lire, nous avons dit, ça fait nous. Son livre que tout chrétien a dû lire et comprendre parce que les sont bons modèles. Il y a un bon modèle de leadership. Et il y a un pile leçon pour la vie. Le étudier la personne de Josué, même. Il y a un moment qui était assistant. Moïse, mais qui vient remplacer Moïse. Si on nomme la ville, son la vie complète liée, comment? Monsieur était vivre dans l'esclavage. Il est passé dans le désert. Et il est rentré dans le canal. Ça veut dire qu'il n'est pas brûlé l'étape. Il est passé tout. C'est. Il y en a deux mondes qui sont en Israël, qui sont en Égypte, qui ont une chance ça. C'est Josué. Avec Caleb. À 50 ans, Josué est sorti en Égypte. J'avais dit qu'il était levé vivement en esclavage. Il compte sa esclavage à payer. Il passait tout dans le désert là. Il était commandant de l'armée. Et après ça, il était choisi pour capable remplacer Moïse. Alors Josué son nèg qui était suivre remet bon Dieu mais suivre principe leadership, il suivre ça bon Dieu te voulait faire. Il suivre leadership Moïse. Bien que c'est un nèg qui était toujours avec Moïse. Même dans mon Sinaï, Josué était là à Caleb. Il était obéissant, il suivre. Moun que ou associé avec lui, après ils font influence sur. Moun que ou collé côté, après ils font influence sur. Forme leader que ou gagne, a fait une influence sur la vie. C'est très très important. Et ça fait, si tu as gardé contemporain Josué, ou après ouais, c'était Aaron, c'était David Moïse, c'était Josué, c'était. Elle avait dit que forme monde que tu as fréquenté, tu as aidé à former caractère. Dans la fréquentation que tu as fait, dans n'importe quoi tu as passé, forme monde que tu as fréquenté, tu as formé caractère. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es et qui tu seras. Ça veut dire que même avant d'aller plus loin, si tu vas lire le livre, je vais comprendre que forme fréquentation, ou besoin faire, ou besoin très sélectif pour ne pas rentrer dans n'importe ou va fréquenter n'importe qui monde. Parce que tout dépend de gens qui sont là, là ou pas quoi, gens qui sont là, après ils forment ou. Après ils forment caractère ou gens qui sont là. Habitué. Sous, par exemple, si vous habituez avec un monde qui dit mot tout le temps, ou a dit mot tout le temps, mot tout le temps, mot tout le temps, mot tout le temps. Eh bien, ou a pris les mots, ou a commencé à sortir dans la bouche tout. Ou a commencé à sortir dans la bouche tout. Donc, il est très très important pour comprendre le livre Josué. C'est le seul monde, il y en a un monde qui sortit en esclavage et qui rentre dans pleine liberté. Et quoi c'est objectif chaque chrétien côté nous y est là dans la vie d'esclavage que nous y est là pour nous traverser le désert et pour nous capable arriver au sommet côté nous voulons aller. C'est objectif nous ça dans ce monde pervers. Donc ce caractère, cette personne, ce personnage est très très important dans notre vie. Josué 3, verset 1 à 17. Pensez-nous lire ça plusieurs fois. Nous ne pouvons pas lire tout le passage là. Encore pour nous capables d'économiser temps. Mais nous avons gardé quelques bagages ensemble avec vous. Dans Josué 1. Nous avons que dans verset
1, il dit Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Donc, premier élément à regarder, c'est la planification. La planification dans le voyage. Comment c'est nécessaire de planifier. Alors, de Sittim étant, Josué avec peuple là, tout prêt avec Judéen pour traverser. Mais cependant, et que malgré peuple là, envie de traverser, envie d'aller, mais cependant, Josué m'a dit pour être capable de camper là pour planifier. Il ne faut pas déplacer sans planifier. Sans qu'on qui j'en pour aller, côté de aller. Pas lever, courir, mais il faut planifier. Le Jourdain, ici, préfigure notre mort avec Christ. On a le Jourdain en face. On doit traverser le Jourdain. Et une fois que nous traversons le Jourdain, eh bien, gain et en pile bagaille. C'est comme si nous dit que, ok, maintenant, tout ce qui est mal est derrière moi. Je vais traverser, eh bien, m'a quitté le terrain de l'esclavage pour me capable de traverser mal le terrain de la liberté. Maintenant, désormais, et quand je traverse, je ne vais pas regarder en arrière. Je traverse. J'avance. Je progresse. Donc, parlant du Jourdain est très significatif. Très, très significatif. Romains 6, verset 3 à 4. Il dit, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire c'est comme si nous étions baptisés dans Christ. Et alors, les baptisés, qui ça veut dire? Ça veut dire comme ça que maintenant je laisse derrière moi le monde et tout ce qu'il contient. Maintenant, je m'avance. Je m'engage à Christ. Ou tout jamais, je m'engage. Matériel conservateur, il a dit comme ça que moi, je l'ai fini dans mes Christ. Moi, m'attendez. Elle m'a dit, je voulais finir dans mes bon Dieu. Ça veut dire que, contrairement à scellé avec mon Dieu, c'est la vie ou la mort. La paix de Dieu avec vous. Donc, traversant le Jourdain est très significatif. Ça veut dire que, le terrain de l'esclavage va être derrière moi maintenant. Maintenant, je traverse. Maintenant, j'avance. Maintenant, je progresse. À point de retour. Je ne vais pas retourner en esclavage. C'est comme si lorsqu'on va baptême, on dit maintenant, je m'affiche en tant que chrétien, chrétienne, et je ne vais pas retourner en arrière. Non, j'avance. Tout ce qui est mal est derrière moi. Maintenant, on est capable de dire dans la position devant le Jourdain que vous traversez, on est capable de dire, eh bien, tous mes ennemis sont derrière moi. Je traverse. Tous mes accusateurs sont derrière moi. Maintenant, je traverse. J'avance. Tous mes problèmes sont derrière moi. Maintenant, j'avance avec Christ. Car je traverse le Jourdain. Le Jourdain est très significatif. Très significatif. Donc, c'est un symbole d'abandon total de la vie de l'esclavage. D'abandon total. Je ne peux pas tourner. Nous, quand chanter ça, nous dit le monde est d'homme, la croix devant Dieu. Je ne peux pas tourner. Pas gagner qu'à faire tourner. Pour me tourner, et deux pieds devant pour me tourner. Et depuis deux pieds devant, déjà, deux pieds devant déjà, ben, ça va venir. Il va en arrière encore. Donc, Jourdain très significatif, mes frères et sœurs. C'est la vie ou la mort.
et nous arrivons, nous pensons de Jourdain. Cependant, au Jourdain, devant le Jourdain, eh bien, il leur faut de l'instruction. Nous pas cap, yon peuple pas cap vivre sans instruction. Jean vle, tout le monde levé courir, aller faire ça yon vle, quitter tout le monde faire ça yon vle. Il pas possible, ou pas qu'à réussir comme ça. Let tout le monde levé courir ensemble, gen cap passe en bas pied. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Let tout le monde levé courir ensemble, gen cap passe en bas pied. Il faut qu'il y ait un leader responsable pouvant établir les principes, les disciplines. Donc, il faut qu'il y ait une planification. Et là, Josué était un planificateur, un leader responsable. Et là, il y a un groupement qui est. N'importe groupement qui est. N'importe qui assemble qui est. Si il n'y a pas une planification, où met à aller. Parce que pas un sérieux qui a réglé. Et toujours, il y a des gens qui résistent aux principes. Qui pas vle au principe. Mais pourtant ce principe qui permet nous capable de travailler ensemble. Donc Josué a bail l'ordre à peuple là. Peuple a besoin de camper là pour entendre ce que Dieu veut dire, entendre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Bien sûr, peuple a voulu aller vite. Il devait aller vite, en aller, nous presser. Nous presser. Mais en tant que leader, lui-même, ce n'est pas ça, non, il n'y a pas l'autre façon. Nous ne pouvons pas presser pour une chita. Bien que nous connaissons que bon Dieu veut nous traverser, c'est lui qui pourra nous guider. Quel est le mot de Dieu? Donc, il était campé avec eux pour entendre la parole de Dieu. Il était. Doué obligé rete. Ce moment-ci, ces jours-ci, nous vivons un monde de rapidité, de vitesse. Tout est rapide, tout est rapide. Tout le monde pressé, pas quelqu'un qui a temps pour rien. Alors, nous ici, nous ne plus pas ça parce que le monde est aux États-Unis. Aux États-Unis, même manger, nous n'avons pas temps pour faire manger, ça fait. Gen sa que les fast food côté yo fait ba yo rapide nan ka passer dans machine ni li pon ba la le moun tout moun pressé. Mais là tout moun fin pressé à la fin de la journée ou fini ou après ou commence encore pressé encore. Donc nous non monde de rapidité qu'on y a bagay pas fait lent encore. Mais il faut que nous prudent pour ne pas quitter empressement tellement poté nous aller pour nous pas chit attendre le mot de Dieu. Parce que sans le mot de Dieu, vitesse soit pas vaut un rien. Ou rapide. Jeune fille, à peine ou paraît. Ou pressé, ou qu'est-ce en vie ménage, en vie mari, en vie. Est-ce qu'on chita pour me dire ça, bon Dieu dit? Est-ce que bon Dieu veut vous marier qu'on y a? Est-ce que bon Dieu veut vous marier moun sa ou plonger sous l'IA? Est-ce que la vie vous pouvez gâcher ou presser, puis devant, ça ne va pas le passer? Jeune garçon. Pressé, m'baptan, m'a quitté Nexa, m'a quitté Visa, m'a parlé. Est-ce qu'on entendait le mot de Dieu? Est-ce que c'est pas un piège ou apprend? Piège de l'empressement? Et puis important, pour capable chita, pour entendre le mot de Dieu. Avant de planifier votre horaire, avant de planifier quoi que ce soit à faire, il est important pour prendre temps pour aller devant bon Dieu. Pour qu'on qui ça bon Dieu voulait dans ça ou voulait faire là. Frère Maxime, moi, petite maison de prière. Ça très très important. Avant ou entreprendre, chemin à entreprendre, non. Avant ou lever courir, font chita pour tendre le mot de Dieu. Dieu, qui ça ou voulait pour moi? Parce que l'île connaît chemin que vous pouvez connaître. Vous voulez lever courir, mais pourquoi connaître chemin? Et c'est ça que je voulais pour le peuple capable de comprendre. Fon chita pour nous tendre le mot de Dieu. Il est très très important. Prends temps pour nous capables de centrer sur ça que bon Dieu voulait dire. Pour ne pas induire en erreur. Parce que si vous ne prenez pas temps, si vous précipitez,
ou capable induit en erreur. Je vais raconter l'histoire de yon route gagnant yon grand pont gagnant yon bout qui crasé qui cassé la dani. Et puis un chauffeur qui cap vini, il pas connaît, il qu'on habitué passer dans ce pont, il pas connaît si pour un cassé puis devant. Et puis gagnant monsieur qui va vini à telle vitesse. Et monsieur a couru dans la route là, il ouvre des bras. Monsieur a descendu la machine là et commencé à mettre nèg là en bas coup de poing. Ben nèg a compte coup de poing. Et puis là il finit nèg là dit il dit gardez devant quand tu as couru pour aller. Le nèg a gardé pour en cassé. Ni les machines t'a pas chavirer en bas. Parce qu'il était trop pressé. Il va te vouloir camper pour le connaître. Nèg la tande men qui ça le gagner qui fait le tande maintenant. Mais avec l'amour, nèg la quand même pas la veille dire garder devant pour elle. C'est le ça le regretter. Ou pas vouloir regretter l'autre pressé. Pas prendre décision trop vite pour pas regretter. Bon Dieu parle avec un monde là matin. Pas prendre décision trop vite mais consulter bon Dieu. Quelquefois, c'est volonté pas nous qui a fait, mais ce n'est pas volonté, bon Dieu. Et Jésus te fait sûr que le peuple là, chita. Bon Dieu, il y a un plan pour nous traverser. Bon Dieu, il y a un plan pour marier. Je ne sais pas si bon Dieu ne va pas marier, non? Mais, chita, demande bon Dieu comment, au lieu de courir. Oui, c'est chrétien, bien, bon Dieu, il y a un chrétien marié. Mais courir, rentrer, non? Demande bon Dieu direction. Direction. Jésus, comme il dit, il après, bah, l'autre, dans verset 3, au peuple, il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, les Lévites, eh bien, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Il parle de l'arche. Là, il parle de l'arche de l'alliance. Là. L'arche de l'alliance, là, après, devant le peuple, là, je lui ai dit, nous pas qu'à lever courir comme ça nous pas connait comment. Bon si eux te lever courir sans pas de point instruction pas connait si l'arche de l'alliance là t'es doué devant. Et ma bonne explication qui ça l'arche là pour que si il pas doué devant eh bien il dit nous que l'arche de l'alliance ça c'est le trésor le plus sacré. C'est le symbole de la présence et la puissance de Dieu. L'arche de l'alliance là son boîte rectangle qui fait en or. Et puis il gagne photo deux anges, deux chérubins en les têtes li. Et en dans l'arche là, après il gagne la donne, trois bagailles la donne. Après il gagne table de loi que Moïse te recevra 10 commandements en dans. Ça c'est yon. Deuxième bagaille qui va gagner la donne, son un vaisseau qui gagne en farine qui était forme de pain. Que vous recevez dans le désert, la manne, il y a la manne en dedans, ni, en dedans, ça son deuxième élément. Eh bien, il y a un bocal qui a la manne là-dedans, qui symbolise pain et pain miraculeux que bon Dieu te baille. Et troisième bagaille là, il y a là-dedans, c'est le bâton d'Aaron qui symbolise l'autorité du grand prêtre. La chasse symbolise la présence et l'autorité de Dieu. Maintenant, Josué pour le faire connaître que pour être la capable fait eh bien il faut que c'est l'arche de l'alliance là qui est devant, c'est la présence de Dieu qui doit devant, l'autorité de Dieu qui doit devant. Et là ça n'a pas eu suivi à distance, oui à distance, parce que si vous trop près eh bien vous capable éliminer facile, vous capable éliminer facile. Donc Josué parle de l'arche de l'alliance là qui est à devant. Et c'est l'arche ça qui côté était placé, et bien c'est dans le lieu très saint du tabernacle qui était placé. Et c'est pas n'importe monde qui était capoté l'arche là. C'est seulement les lévites, il y a un monde exprès qui était de porter l'arche là. Les lévites
les choisis, les races de prêtres, qui est le côté lâche de l'alliance. Donc, Josué dit, lâche là doit devant, c'est lui-même qui doit devant, la présence de Dieu qui doit devant. Bon, l'autre élément, Josué a tracé pour vous encore, c'est que Josué a parlé dans verset 5, il dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Sanctifiez-vous. Et afin de sanctification, on peut plusieurs fois, il a adressé à peuple à moi de sanctifier. À chaque fois, avant n'importe qui grand témoignage, qui grand bagaille que bon Dieu a fait, eh bien, il toujours demandé peuple à pour sanctifier. Purifier. Avant n'importe grand acte que bon Dieu a fait, eh bien, toujours gagné travail de purification. Donc, bon Dieu a plusieurs raisons d'impureté dans Lévitique 11. Il parle par exemple, yon moun kate sot fon petit, ça fait l'impur. Yon moun kate gon malade nan epidémie, gon maladie, ça te fait l'impur. Yon moun kate touche yon cadavre, ça te fait l'impur. Il y a plusieurs raisons. Yon moun kate manje yon bagay ki impur, yon bagay ki impur, ça fait l'impur. Il y a plusieurs éléments. Bon Dieu, par exemple, qui ta capable causer, moun ta capable impur. Donc, ça fait que bon Dieu toujours m'a dit pour qu'il y ait une cérémonie de purification. Et ça présente et ça a une importance capitale pour montrer nous que avant d'approcher Dieu, eh bien, faut que nous rentrions dans la sanctification, dans la purification. Dieu veut que nous capables purifier avant de nous rentrer la calée. Toute leçon ça, Josué a enseigné à peuple là. Alors, nous gagnons lâche la pour rentrer. Bon Dieu voulait nous aller, mais mon Dieu, l'autre bon Jean, il voulait sa fête. Il voulait pour lâche la car devant et pour lâche la devant nous même tout. Avant nous aller, nous pas qu'à aller comme ça. Il faut que nous capables purifier, faut nous sanctifier, faut nous pas qu'à lever aller comme ça. Donc la planification. Il demandait pour que yo capable purifier yo. Donc la sanctification, la purification vient toujours avant le miracle. Donc, il est vrai que je dis à en pile l'église, c'est l'église de miracle. Que vous les têtes, comme si que vous voulez vendre les têtes comme l'église de miracle. N'a pas fait miracle, miracle, pas fait là. Toi, puis, m'a pas allé là, là, il y a miracle. Mais miracle, les miracles là, avant de faire, il faut qu'il y ait purification, il faut qu'il y ait sanctification. Pour vivre capable de gagner une vie de miracle, eh bien, fais sûr que vie ou son vie de sanctification, son vie de purification. Avant, mon Dieu fait, mais avec vous voulez faire pour roi, bon Dieu voulait pour vie ou capable de rentrer dans la sanctification. Bon Dieu béni. Et je te voulais enseigner, peuple, la leçon ça. Vous capable de courir après aller, ou après faire erreur. Nous capable d'échouer en route, vous pouvez cesser, c'est vrai. Mais est-ce qu'on prend temps pour nettoyer, parce qu'on est capable d'éliminer en approchant de l'arche, ou capable d'éliminer. Amen. Faut être capable de planifier sanctification. Yo. Avant ou suivre l'Éternel, il y a un bagage besoin de faire. Et ça fait quelqu'un qui n'est pas d'accord confession, il n'est pas d'accord. Et pourtant confession, c'est là nettoyage a commencé. Là a commencé pour rentrer dans sanctification. Vous comprenez? Rentrer dans purification. Et puis qu'on y a, bon Dieu, porte bon Dieu pour l'ouvrir pour vous, pour le recevoir et pour le capable faire merveille ensemble avec vous. La purification. Josué t'a enseigné. L'autre bagaille. M'a pas qu'un peu nous en pile matin. M'a pas qu'un peu nous en pile matin. Mais, gagne un bagaille. Josué a dit que il faut que ces sacrificateurs, non seulement c'est de porter lâche là, mais c'est eux qui doivent mettre pied dans de l'eau à avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux doivent mettre pied dans de l'eau avant. On peut se demander pourquoi, pour qui ça qui fait que est-ce que sacrificateur c'est mounio et tout? Est-ce que il y a pas de doute parce que de l'eau sort autant des ajouts des
C'était le moment, bon Dieu, choisi le moment que l'eau était en cru, pour que il était capable de délivrer le peuple là et tout le monde était capable de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Donc, c'est parti de l'eau, et pas de l'eau, monde qui a traversé comme ça. Son problème lié. Mais bon Dieu, on va demander pour que monsieur mette pied dans de l'eau, qui symbolise problème, qui symbolise obstacle. Mais comme monde, est-ce que vous n'avez pas de doute? Est-ce que vous n'avez pas de inquiétude pour dire, mais pour mettre pied dans le problème, pour mettre pied là-dedans? Qui ça, bon Dieu, gagne ça pour nous? Poser plein de pieds dans de l'eau pour traverser. Ici, c'est l'appel à la croyance. Il faut que yo croie bon Dieu pour ça bon Dieu dire. C'est l'appel à la croyance. Ou pas qu'à aller là avec doute, ou pas qu'à traverser, ou pas qu'à réussir avec doute qui dans cœur là. Si bon Dieu dit fais ça, ou met pas quoi résultat, mais ou met fait li parce que résultat c'est dans mes bon Dieu lié. Bon Dieu bénou. C'est bon Dieu qui dit fait. Debout sur c'est bon Dieu qui dit fait. Et ça fait. Si on a besoin bon Dieu dit ou même c'est pour capable aller devant bon Dieu pour consulter pour connaître. Est-ce que c'est bon Dieu qui dit le vrai pour pas tomber en erreur? Parce que on monde qui a une émotion, il a senti un bagaille, après ça il dit c'est bon Dieu qui dit, pourtant c'est pas bon Dieu qui dit vraiment. Est-ce que nous comprenons? Et pas tout là où dit bon Dieu dit c'est bon Dieu qui dit. Mais laissez bon Dieu vraiment parler ou convaincu c'est bon Dieu qui parler ou mettre avancer. Ou mettre avancer. Donc là, c'est appel à la foi. Quoi dans ça, bon Dieu dit? Et le plus souvent, bon Dieu pas jamais offre une solution au problème yo. Et sans que, jusqu'à ce que nous quoi, jusqu'à ce que nous déplacer par la foi. Ça m'a dit l'ongo causé. Ou quand un problème qui a ravagé au bout toute la vie. Et puis, bon Dieu, pourquoi jamais, bon Dieu capable jamais répondre nous. Bon Dieu béni, oui. Bon Dieu capable jamais bonne solution. Il pourquoi jamais prête pour bonne solution jusqu'à ce que ou avancer dans la foi, jusqu'à ce que ou croie. Et pas ça ou croie non. Problème non qui a ravagé ou qui a besoin de solution. Mais bon Dieu pourquoi jamais bonne solution tout encore pourquoi dans la foi. Ou pour comprendre pour aventurer. Jean-Bon Dieu dit aventurer. Nous cherchons chaque problème. Que nous avons besoin de solution pour nous. Mais quelquefois, nous avons prié. Mais prier sans substance. Prier pas gain. Nous pas prêts pour capable. Pour la foi capable d'agir. C'est un coup. Moi-même, il y a qui. T'as tremblé dans presque tremblé dans l'avion. Je voulais venir. Je ne sais pas qui jamais va passer pour venir. Donc, je fais des marches. Payer internet dans l'avion. Pour moi, si je fais des marches pour me capable de passer vite, ben, internet pas marché. Tout le monde m'a dit, je ne sais pas. Tout ça me fait à la fin de rentrer téléphone dans un sac. Après ça, je chita. Je vais venir, c'est vrai. Envie assez yon. Je ne vais pas carrer les chauffeurs dans l'avion. Je vais aller au premier petit. Pas jamais bien sonné. Je vais aller au deuxième, pas jamais bien sonné. Je vais aller au troisième, pas jamais bien sonné. C'est l'aime fin. Après le prendre l'autre avion. Hein? Non, juste l'aime fin ici de Guinée qui répond. Mais qui dit oh, papi, pas toi, non, t'as dormi. Tout t'as dormi. Parce que moi, j'ai besoin de traverser pour venir à Haïti. Quand il y a ces lèvres, regardez moi, malade là pas venir vrai. Je suis allé passer toute malade devant mon pape, non pas venir. Seul pape n'a pas venir. Bon Dieu, qu'on le son la pensée. Quand il y a quelqu'un, je marche,
malgré pour me t'attendre malade là, marcher tellement pressé comme si c'était cabaret. Je suis arrivé avant tout le monde m'a campé côté qui puis prêt pour me malade là. Mal pas jambe vie. Il va venir. Là moi quand je veux bagaille voyez puis connia mon l'esprit qui dit mais qui est souillé? Pas songer qui est souillé. Est-ce qu'on pas prier déjà? Quoi dans moi? Et hier soir m'a parlé avec Esther petite moi. Il dit papi, vous comprenez ça que fait malette là pas venir? Bon Dieu même fait malette là pas venir. Mais si malette là t'est venu, tu peux prendre malette, tu pas checker malette, fais ceci là ou pas bien venir à Haïti. Et bon Dieu te veut enseigner et c'est exactement ça. Bon Dieu fait ça m'a pas que t'es boulé papi, tu pas demandé bagarre comme ça yo. Et pas demandé mieux de se passer, allez. Jusqu'à ce que je vienne croire. Je dis bon, où c'est passé Isaac? Pourquoi on fait inquiéter pour ça? Et puis comme relax, bon Dieu passe avec. Il y a des miracles, bon Dieu, pourquoi je ne fais pas tout en pourquoi mettre pio dans de l'eau? La paix de diable, la paix de diable. Tout en pourquoi mettre la foi dans bon Dieu vraiment, miracle va fait. Il va fait. Et bon Dieu, en souffrant, il bon Dieu, l'aime finir ma ceci, l'aime finir ma cela. Non. Vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin de promettre ça. Quoi dans mon Dieu? Fais pas. Hein? Vous voulez gagner l'argent? La parole de Dieu dit si maintenant mon Dieu, investis dans mon Dieu. Quand on va commencer. Bon Dieu, quand on l'argent, je vais à l'église. Moi, je vais faire un petit 4. Je vais faire un petit 4. Comme je vais faire un petit 4, je vais faire. Vous voyez? Quand on comme ça, je dis vous. Est-ce que vous voulez faire un pas par la foi? Vous voulez agir dans la foi. Après ça, pour miracle la fête. Si vous avez fait, on va connaître pour que ça, mon Dieu, fait le fait. Peut-être pour décoller. Mais vous m'avez fait logique, raisonnement. Ah, de l'eau, ça a trop fond. Moi-même, je ne vais pas mettre pied là-dedans. Moi-même, si l'autre monde dépasse, je vais me rentrer tout. Mais moi-même, ça m'a mis pied là-dedans. Bon Dieu, tu mets des pieds là. Bon Dieu, bénis, bon Dieu, bénis, bon Dieu, bénis. Bon Dieu, tu mets des pieds ou mettre des pieds. Bon Dieu, bénis. Peut-être que mon Dieu parle avec là. Peut-être que vous campez longtemps, vous colibez longtemps, vous campez là longtemps. Vous campez là longtemps, vous voulez décoller longtemps. Mais ça, mon Dieu dit vous faire pour que j'en le faire. Il dit, mettez pied au nom de l'eau. Pas ça, vous mettez pied où? Et mettez de l'eau avant qu'on ne l'ouvre. Bon Dieu bénis, bon Dieu bénis. Josué te voulait apprendre. Peuple à ça. Bon Dieu voulait partager ça avec vous matin. Plan bon Dieu, c'est pour traverser, oui, c'est pour traverser, mais il n'y a pas qu'il doit traverser n'importe qui. Il faut d'accord pour entrer dans la foi. D'accord pour entrer. Même je vais engager, bon Dieu, si bon Dieu, si vous faites ça, m'a fait ça. M'a fait ça. M'a fait ça, si vous faites, m'a fait. Fait. Ouais, ça, bon Dieu a fait. Fais-moi que chez moi. La vie a plus passé courir rentrer point. Et des fois, il demande pour capable de camper, pour réfléchir, pour calculer, pour comprendre qui plan bon Dieu. Dans l'obéissance à Dieu, déposer pied au nom de loi. Bon Dieu a tant de participation avant l'âge. Est-ce que vous prenez un dernier mot ça? Bon Dieu, attendre ou déposer pied avant l'âge. Dans tout bouillé, dans le problème bouillé, quand on coule, est-ce que vous voulez traverser? Oh, alléluia. Est-ce que vous voulez parler avec elle? Quand on est coulé là longtemps, ou prie en pile, mais tu es arrêté ou pour être capable de rentrer pied dans de l'eau? De l'eau fou, pour te rentrer pied. Bon Dieu, dis-moi des pieds. Est-ce que vous pouvez faire ça? Avant pour bon Dieu capable de décoller. Ce n'est pas bon Dieu décoller, l'offre de la mettre des pieds là-dedans. Si bon Dieu te voulait, il a fait le peuple à voltiger, passe en l'air. Mais est-ce que bon Dieu a fait ça? Mais est-ce qu'il fait ça? Non. Il y a des fois, bon Dieu voulait vous passer dans le problème, non, même oui. C'est dans le problème, non pas connaître, c'est bon Dieu qui est le bon Dieu, oui. Bon Dieu, bénou, bon Dieu, bénou. C'est à travers le problème qu'on va connaître qui est ce que le bon Dieu. C'est l'aile retire là-dedans, on va connaître. C'est celui qui est retiré là-dedans. Ah.
Est-ce que matin on veut faire un acte de foi dans ou même? On capable de côté me te coller là. On pas comprendre c'est me te fait pas que mon Dieu voulait me faire. Mais matin me décide de me faire. On pas connait côté ou te coller, on pas connait. Chaque monde mon côté ou coller. Chaque monde mon côté ou coller. Même faut connait que c'est plan mon Dieu pour le décoller. Bon Dieu déjà gagne lâche là là la puissance li, et autorité déjà là li mettez devant ou. Ou pas besoin père sous mettez pour dans de l'eau pas gagner non parce que la puissance et l'arche de Dieu là déjà devant déjà ou pas gagner ou pas noyer. Est-ce pas comme la bonne Dieu parle avec le matin. Qui besoin décoller. Est-ce pas comme là qui sentit qu'il doit rentrer dans l'obéissance. Il était toujours à faire logique, faire raisonnement avec bon Dieu. Bon Dieu, si vous faites ça, m'a fait ça, si vous faites ça, m'a fait ça, si vous faites ça, m'a fait ça. Wap bay, bon Dieu. Si vous êtes comme ça, vous sentez, vous êtes collé en côté, et maintenant vous décidez de vous mettre la foi dans bon Dieu, vous faites ça, bon Dieu dit vous faire. Vous décidez pour tendre bon Dieu, au lieu de vous lever courir. Camper sous pied ou. Camper sous pied ou pour engagement. Font engagement avec le Seigneur. Dis bon Dieu, vous ne pouvez pas lever courir. Mais vous pouvez. Tant molli. Et ça le dit faire. Vous pouvez faire. Parce que. Vous ne pouvez pas tourner derrière encore. Vous ne pouvez pas tourner dans l'esclavage encore. Ça le dit faire. Vous pouvez faire. Est-ce que vous voulez faire un jeu ou lever main devant le Seigneur? Vous êtes capable de faire. On parle avec le Seigneur. Le Seigneur. De l'eau à Gouneg, c'est vrai. De l'eau à Kanoaye. Si je mal rentre là-dedans, avec propre force, pas m'a noyé. Mais grâce soit rendue à ton nom béni. Ta puissance est là. Ton autorité est là. Par ta puissance, par ton autorité, je vais fouler. Le jour de Joudin sa pape kanoye moi. Joudin sa pape kanoye. Ma kon ki joudin ou gede bon. Ma kon ki joudin ou gede bon. Ma terre mette pied ou. Mette pied ou en bas puissance. Ak autorité puissance. Bon Dieu. Mette pied ou nan joudin. Mette pied ou nan joudin. Au nom de Jésus de Nazareth. N'importe joudin. Qui de campé. Devant serviteur. Servante bon Dieu. Au nom de la puissance et de l'autorité de Dieu. Mais qu'on y a même. Eh bien, servante la serviteur a mis des pieds dans l'eau. Pour de l'eau, ça a reculé. Pour de l'eau, ça a ouvert. Pour que lui capable de traverser. Est-ce que vous voulez faire juste ça? Mettez des pieds. Mettez des pieds. Pile les joudins. Au nom de Jésus. Avec puissance, cet esprit. Pour capable de traverser. Pour traverser. Pour ne pas garder derrière encore. Vous ne pouvez pas camper là pour tout le temps. Parce que vous finissez réfléchir. Vous comptez bon Dieu voulait. Vous attendez ça l'a dit. Et pour appliquer. Et l'application de la parole de Dieu. Eh bien, va nous libérer. Seigneur, merci matin. Merci pour puissance. Merci pour autorité. Merci pour libération après matin. Merci pour Judin ça. Ou à fond matin. Judin qui a noyé chaque petit tout. Mais pas un grain qui a noyé à cause de puissance et autorité. Au nom de Jésus, que tout blocus, tout grand blocage qui dégaine. Mais parce que serviteur, servante, met des pieds dans l'eau ça. Eh bien, il a libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom Seigneur. Merci pour cette liberté. Merci pour cette traversée. Merci Seigneur. T'en prie au nom de Jésus. Amen. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Merci. Merci.